de me faire la surprise. Oui. Tu fais toujours des surprises. C'est que j'aime ça. On fait quoi? Resto chinois, resto français, dis-moi. On va se faire un chinois, on dit, hein. Ah, j'adore. Après, on file direction Cannes. Non. Si, si. Oui, bien sûr. Oh, j'adore. Eh oui, oui. Oh, d'accord. Ça te dérangerait de regarder où tu marches? C'est à moi que tu parles? C'est à moi qui parle. Et mon gars, tu sais qui je suis? Tu crois que tu peux marcher dans la rue comme ça et me bousculer? En plus, tu t'excuses même pas. Hé, c'est pas aussi simple. Alors toi, je te préviens. Ouais, non, ça c'est déjà... Alors, ta copine et toi, je vous ai à l'œil. Compris? Avant toute chose, faut quand même que je vous explique les conditions pour utiliser cette montre. Il y a deux ou trois petites règles à savoir. D'abord, n'arrêtez le temps qu'en cas de grande nécessité. Quand est-ce que se déroule la Seconde Guerre mondiale? Tu réponds juste après la première. T'es un champion, toi. Deuxième règle, seul le possesseur de la montre peut arrêter le temps. Ouais, sinon ça serait trop simple. Cette montre, elle peut arrêter le temps. Mec, mais arrête, on sait tous que c'est des conneries. Les gars, on se casse, qu'un chronito. Ah ouais, c'est des conneries ça peut-être. Regardez vos airs là, vous êtes tous trop cons. Enfin bref, de toute façon vous comprenez jamais rien. On arrive donc à la troisième et dernière règle, c'est de toujours avoir un fond sonore avec soi. Pourquoi? Parce que si le temps est arrêté, ben y a plus de bruit. Et vous savez ce que ça veut dire? Entendre son propre cœur, sa propre respiration et son sang couler dans les veines. Résultat, en 3 minutes 42, tu meurs sur place. Ah, et j'oubliais, vaut mieux pas essayer de bidouiller quelque chose avec cette montre. Disons qu'elle est assez capricieuse. Mais non! Bref, je vous passe les détails parce que même moi j'ai encore du mal à tout comprendre. Mais avouez, c'est quand même la classe, non? Vous prenez une brioche ou pas? Ouais, allez, donne-en une. Voilà. C'est tout? Eh oh, les temps sont durs, hein. Mais quand même. Merci beaucoup. Radin. Je suis pas radin. Je suis économe. Oh, si déjà... Oh, t'inquiète, tu t'es juste endormi, mais je t'ai couvert, le prof, il a rien vu. Ok, merci. Je suis désolé, j'ai passé cette nuit à essayer de réparer cette foutue montre. C'est impossible, ça marche pas. Franchement, Alex, faut que t'arrêtes avec cette montre, c'est vraiment pas bon. C'est bon. Tu vois Gollum dans Seigneur des Anneaux? Tu veux vraiment finir comme lui, à manger du poisson cru et à crier mon précieux à tout le monde? Rien à voir, c'est quoi cette comparaison pourrie là? C'est bon, j'ai juste besoin d'un peu de repos. Alors si tu veux, j'y touche plus de la journée. Stupide hobbit joufflu. Elle est où ma montre? Hein, de quoi tu parles? Ma montre, celle qui était posée là, elle est où? Je sais pas, tu l'avais surtout en main. Non, je l'ai plus là. Ok, laisse tomber. Mais Alex! Alex, reviens! C'est qu'une montre, je t'en paierai une autre si tu veux. Oh, rends-moi ma montre. Non, je vais la garder, elle me plaît bien.
ta soi-disant montre magique. Donne-la-moi tout de suite. Sinon quoi? Tu vas arrêter le tort, partir en DeLorean? Tu me fais pitié, tiens. Non, 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 non! Oups! Super, je fais comment maintenant? T'as vu, sérieux. Thank you.
Ah, te voilà. T'en as mis du temps. Je crois que t'arriverais jamais. Viens, sinon on va manger froid. Installe-toi. Je t'ai dit, installe-toi. T'as vu tout ce que j'ai préparé? Tu vas trouver quelque chose qui te plaît, c'est sûr. Regarde les réserves encore que j'ai mis à côté. Tout ça, c'est pour toi. Si tu trouves un qui te plaît ici, tu me lis, hein. Je vais te le chercher. Quoi? Ça te plaît pas? Mange. Fais ton choix. Hein? Mais vous êtes qui? C'est ça qui t'intéresse, là, tout de suite? Tu peux me passer le poivre? Merci. Non, je veux dire, qu'est-ce que vous faites là? Ce que je fais là? Oh, regarde autour de toi. Je vis ici. Non, pas ici, dans cette maison, dans cette faille. Qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, c'est simple. J'ai été trahi. On m'a abandonné ici, figure-toi. Vous voulez dire que vous étiez... Hein? Plusieurs... Non, écoute. Tout ça n'a absolument plus aucune importance maintenant. Ce qui compte, c'est que tu sois là. Que je sois là? Pourquoi? Comment est-ce que je peux vous aider? Je suis bloqué ici, tout comme vous. Si seulement j'avais encore... ma montre. Ta montre? Est-ce que tu l'as toujours? Non. Je l'ai perdu en arrivant ici, et j'arrive pas à remettre la main dessus. Bon, et tu penses que... on a nécessairement besoin de cette montre pour sortir d'ici, c'est ça? Tu crois que c'est comme ça que ça marche? Tu crois que j'ai pas, avec les années, largement eu le temps de découvrir un autre moyen? Non, laisse-moi te dire que tu te trompes. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. J'avais faim et t'en arrives à me couper l'appétit, tu te rends compte? C'est difficile de me couper l'appétit, moi. Mais... j'ai une idée. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Viens avec moi. Oh! Une dernière chose avant. Comment est-ce que tu t'appelles déjà? Alex. Oh, Alex. Ok, Alex. Viens avec moi. Et voilà. Bienvenue chez moi, Alex. C'est en quelque sorte mon laboratoire ici. Je vous prends là où j'ai mené mes expériences durant toutes ces années. Et tu entends cette musique qui passe derrière nous? C'est du classique. Tu aimes ça, Alex, le classique? Alex. Hein? La musique classique ne te dérange pas trop? Non. Qu'est-ce que tu aimes, toi, d'habitude, comme musique? Moi, je suis plutôt musique bien rétro. Mais bon, des vieux trucs. Hein. Enfin, tu dois connaître ça. Bien sûr, évidemment, musique rétro, j'aurais dû m'en douter, mais tu sais, ma dernière cassette à moi est foutue depuis bien longtemps. Justement, ça fait combien de temps que vous êtes bloqué ici, dans cette faille? En réalité, je ne saurais dire depuis combien de temps ça fait. Depuis le jour où... Enfin bref, c'est du passé. C'est du passé, tout ça. Ou du présent. Enfin, tu m'as compris. Ouais. Enfin, je crois. Alex, tout ce qui compte maintenant, c'est que tu sois là. Alex, s'il te plaît, regarde-moi. Tout ce qui compte, c'est qu'on reparte ensemble d'ici. Ben voilà, une bonne nouvelle. Bien sûr. Et comment on fait? C'est simple. Toi? Ouais, moi. Toi, Alex, tu ne fais rien. Pardon? Non, écoute, j'aurai besoin de toi beaucoup plus tard. Tu comprends ça? Pour te dire la vérité, tu auras le rôle le plus important de cette histoire à jouer. Expliquez-moi, je peux très bien vous aider. Non, écoute-moi bien. Les énergies ici dont nous avons besoin pour ouvrir les portails ou pour simplement stopper le temps, elles ont tendance à s'accumuler en attitude. Regarde autour de toi, regarde par ici. Tu comprends? Il y a tout près d'ici le vestige d'un château. Tu crois quoi? Que les ancêtres n'avaient pas prévu ce qui est en train de nous arriver? Que sont-ils en train de fabriquer de nos jours? Ça fait pratiquement 20 ans qu'ils sont dessus. L'accélérateur de particules, okay, tu en as entendu parler? Imagine comment ces énergies combinées. C'est bon, j'ai compris. Je vous laisse tranquille. S'il te plaît, merci Alex. Écoute, la maison en grande, il y a des chambres d'amis ici. Si jamais tu vois quelqu'un d'intérieur, tu sais que de toute façon, ils ne sont pas capables de te voir. Allez, va te reposer s'il te plaît. Et laisse-moi du temps.
Repose-toi, Alex, hein. C'est la première fois que j'emmène une fille en voiture. Mais ça va le faire, ça va le faire. Je suis à ma 21e heure de conduite. Allez, rappelle-toi ce qu'on t'a appris. Rétroviseur, check. Le siège, c'est check. Allez, Alex. T'inquiète, ça va bien se passer. C'est normal. J'ai oublié le plus important. Voilà.
te voilà enfin. Pensiez vraiment que je m'en rendrais compte de rien? Pensiez vraiment repartir sans moi? Je savais exactement ce que tu allais faire. Ah ouais? Pourquoi m'avoir menti alors? C'est la règle du jeu, Alex. Tu ne comprends encore pas tout, mais c'est dans l'ordre des choses. Tu sais, le dénouement est proche. Ah, mais je comprends. Vous comptez repartir sans moi et me laisser seul ici, c'est ça? Et c'est pas aussi simple. Et c'est pas à vous d'en décider! Pas à moi de décider? Pas à moi de décider! Tu crois que c'est moi qui décide tout ça? Tu crois que je choisis ce qui m'arrive? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça fait d'être coincé ici pendant 25 ans? 25 ans, Alex! Perdre la notion du temps! Même plus savoir qui on est! Je suis pas responsable de ce qui vous est arrivé. Pas responsable? Bien, en quelque sorte, tu l'es. Mais tout ça n'a plus aucune importance. Je sais, ça a été dur pour vous tout ce temps seul. Mais maintenant, on est ensemble. Je comprends toujours pas. Tu ne vois pas comment ça fonctionne ici. C'est dans l'ordre des choses. Depuis que tu as décidé de jouer avec cette montre, tu en as accepté les règles du jeu. Alex, on ne joue plus avec le temps. Maintenant, c'est le temps qui joue avec nous. Écarte-toi, écarte-toi! Bordel, c'était quoi ça? Je suis désolé, Alex. Mais je croyais qu'on devait... Thank you.
I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh. Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook to me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey! You made me up, you made me up.